Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le samedi 24 avril 2021, 7h14, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Une petite histoire intéressante, fascinante. J'aime ça, vous trouvez ce genre de petite histoire-là, vous le savez. Et ça nous vient de Tchernobyl. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, les plus jeunes d'entre vous, peut-être pas, de l'événement de Tchernobyl en 1900, je pense que c'est 86, où on a eu cette explosion dans un réacteur, hein, ça a causé l'émoi à travers le monde, et encore aujourd'hui, on a les conséquences de cette tragédie nucléaire. Puis il y a un petit récit vraiment fascinant qui nous vient de la BBC et que je vais vous laisser dans la boîte de description et qui nous raconte l'histoire des chiens, entre autres, ou des animaux, des descendants des animaux de compagnie abandonnés par ceux qui ont fui la catastrophe de Tchernobyl. Et ça a été publié le 22 avril 2021 par la BBC. Peu de temps après son arrivée dans le paysage irradié de la zone d'exclusion de Tchernobyl, Bogdan a réalisé que son nouveau travail était d'accompagner de compagnons inattendus. Depuis ses premiers jours, en tant que gardien de point de contrôle à Tchernobyl, il a partagé l'endroit avec une meute de chiens. Bogdan, ce n'est pas son vrai nom, est maintenant dans sa deuxième année de travail dans la zone et a appris à bien connaître les chiens. Certains ont des noms, d'autres non. Certains restent à proximité, d'autres restent détachés. Ils vont et viennent à leur guise. Et Bogdan et les autres gardiens les nourrissent, leur offrent un abri et leur donnent parfois des soins médicaux. Ils les enterrent aussi quand ils meurent. Tous les chiens sont en un sens des réfugiés de la catastrophe de 1986, dans laquelle le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé. Dans la foulée, des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées de la ville ukrainienne de Pripyat et on leur a dit de laisser leurs animaux de compagnie derrière eux. Je vous laisserai le lien, comme d'habitude. Vous pourrez voir d'autres liens qui vous amènent à d'autres histoires. Les soldats soviétiques ont abattu de nombreux animaux abandonnés dans le but d'empêcher la propagation de la contamination. Mais sans aucun doute, certains de ces animaux se sont cachés et ont survécu. 35 ans plus tard, des centaines de chiens errants parcourent désormais la zone d'exclusion de 2600 km, soit 1000 carrés, mise en place pour restreindre le trafic humain à l'intérieur et à l'extérieur de la zone. Personne ne sait lesquels de ces chiens sont directement descendus d'animaux de compagnie qui avaient été abandonnés, échoués, et lesquels peuvent avoir erré dans la zone depuis ailleurs. Mais ce sont tous des chiens de la zone maintenant, et la vie est périlleuse. Ils sont exposés à la contamination radioactive, aux attaques de loups, aux incendies de forêt et à la famine, entre autres menaces. La durée de vie moyenne des chiens n'est que de 5 ans, selon le Clean Futures Fund, une organisation non gouvernementale qui surveille et fournit des soins aux chiens vivants dans la zone d'exclusion. Il y a des photos de ces chiens-là qui sont très mignons. Le fait que les chiens habitent cet endroit en ruine est bien connu. Certains d'entre eux sont même devenus des célébrités mineures sur les réseaux sociaux. Lucas Hickson, cofondateur du Clean Futures Fund, qui a abandonné une carrière de chercheur pour s'occuper des animaux, propose des visites virtuelles de la zone d'exclusion en mettant en vedette les chiens. Mais on en sait moins sur les travailleurs locaux qui interagissent quotidiennement avec ces chiens, et c'est ce que l'histoire raconte. Je vous laisse le lien, vous irez lire ça, c'est fascinant. Toute une histoire que celle de Tchernobyl. Faites-vous-en pas pour le petit sapin, là. Je ne suis pas capable de l'éliminer de mon écran virtuel. Mais c'est fini, Noël est passé. Donc, on est le 24 avril 2021. Je vous laisse l'article de la BBC pour ceux qui s'intéressent aux chiens et pour ceux qui s'intéressent à cet événement-là aussi, hein, qui n'est pas fini, puis qui n'a pas fini, puis qu'on n'a pas fini d'entendre parler, ce fameux réacteur numéro 4 qui a explosé en 1986.